suis ici sur le parking du premier atelier avec Olivier Vidon des laboratoires Novial. Je le remercie d'être ici dans le respect du mètre de distance et du port du masque. On va parler des tests. Les tests, le test de la maladie, c'est très important dans la panoplie de lutte contre la diffusion du Covid parce qu'on a besoin de tester les personnes qui ont des symptômes pour savoir évidemment très rapidement si elles sont contaminées et prendre des mesures pour éviter qu'elles ne disséminent le virus. Et donc nous allons installer un laboratoire mobile de l'entreprise Novial ici. Il sera possible de réserver en ligne et de venir se faire tester très simplement et d'avoir les résultats en une journée. Mais attention, pour se faire tester, il faudra une ordonnance, c'est la réglementation. C'est la chaîne de soins traditionnelle, vous avez des symptômes, vous consultez votre médecin, s'il estime qu'il y a une suspicion de Covid, il vous délivrera une ordonnance pour pouvoir vous faire tester. Alors cette démarche, elle me paraît essentielle, il s'agit bien du test virologique, celui dans le nez, ça va vous être expliqué, et non pas du test sérologique à base de prélèvements sanguins pour savoir si on a eu des anticorps, si on a eu la maladie. Ce test-là, il se fait toujours dans un laboratoire en ville puisqu'il y a un prélèvement sanguin. Mais la possibilité d'avoir chaque jour ici le laboratoire mobile, ce sera vraiment une simplicité d'utilisation pour le test virologique selon des modalités que Olivier Vidon va vous décrire. Bonjour, merci de nous aider dans ce partenariat pour améliorer les capacités de dépistage au niveau de la ville de Bourgoin-Jallieu. Donc je vais vous décrire très simplement, le test c'est un prélèvement qui est au niveau endonasal, donc c'est-à-dire dans le nez profond. Donc c'est un prélèvement qui est assez en profondeur, il n'est pas douloureux, obligatoire d'avoir un prélèvement profond pour avoir une bonne qualité, une bonne sensibilité du test. La recherche est par biologie moléculaire et les résultats, comme l'a dit monsieur le maire, sont sous 24 heures. Sous réserve de bien avoir, très important, pris rendez-vous et d'être muni d'une ordonnance. Donc je le reprécise, il faut venir avec une ordonnance, c'est la réglementation, on ne peut pas se faire tester sinon. Et puis j'ai remercié les laboratoires Novial, je voudrais également remercier très chaleureusement l'ILDBB, les infirmières libérales du bassin bergalien. C'est grâce à ces infirmières et ces infirmiers que le test est possible. Ce sont elles qui vont réaliser les prélèvements, donc ce seront toutes des infirmières volontaires qui permettent de faire fonctionner ce dispositif. Donc un très grand merci à l'ILDBB et puis à tous, je vous donne rendez-vous ici au parking du premier atelier avec votre ordonnance pour le test sur le Covid. Portez-vous bien, très bonne journée à tous.